Les françaises. Bon, non, non. Et les françaises. Ne bougez pas, le temps d'accueillir deux personnes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Il y en a une qui est la finaliste de la Nouvelle Star. Bah parce qu'ils font les faire rentrer ensemble, parce qu'on les aime bien. Ah, d'accord. Voilà, il y en a une qui est finaliste. C'est par rapport à l'émission, tout simplement. Oui, absolument, tout à fait. C'est pas la vie privée ni le travail. Non, rien à voir. Il y en a une qui est plutôt en fait par rapport à vous que par rapport à eux. Bien sûr. Il y en a une qui est finaliste de la Nouvelle Star. Ah oui, ça nous a. Voilà, qui s'appelle Miss Dominique et l'autre qui est animateur télé mais qui est comédien. Qui joue dans une pièce s'appelle Jeu de rôle depuis le 20 janvier au théâtre d'Edgar du lundi au samedi à 21h30. Je vous demande d'accueillir Thierry Beccaro et Miss Dominique. Alors, viens à côté de moi, Thierry. Miss Dominique, je viens d'apprendre un drame total. Qu'est-ce qu'il y a ? Total. Quoi ? Miss Dominique m'avait promis un truc. Écoutez bien. Je vais... Ah non ! Oh non ! Voilà. Allez, oublié ! Écoutez bien, parce que moi je... J'ai pas oublié, c'est... Vas-y. J'ai pas rentré chez moi hier soir. Ouais, j'ai... Après, t'étais où ? Vas-y, Omar. T'étais avec qui ? Qu'est-ce que tu devais ramener ? Une petite bouteille de petit ponche. C'est quoi qui tourne à quoi, papyronné? Hein? Si la poisson tu bronches! Comment tu veux qu'il bronche? Comment tu veux qu'il bronche? J'ai pas envie de vous interrompre, mais est-ce que c'est normal si j'ai mal au ventre? C'est normal, c'est un peu de ça. Comment tu veux qu'il fasse des yoga la guignou? Bouygues Télécom, un nouveau monde, le vôtre. Jusqu'au 26 mars 2007, forfait 12 mois avec appel métropolitain hors numéro spéciaux. Condition des appels illimités en magasin et sur Bouygues Télécom. Bonjour, bienvenue dans les trois derniers... Oh là là, j'ai une mauvaise nouvelle, nous sommes dans les trois derniers quarts d'heure de l'émission. Non, si, si. Ah, c'est bête, c'est ballot. Mais si. Alors, ça se termine, est-ce que tu peux nous dire où elle a dormi? Alors, absolument, Miss Dominique qui nous a rejoint avec un superbe album qui s'appelle Une femme battante, et elle est venue avec sa superbe voix. Miss Dominique, quoi? Pas une femme battue? Oui. Oh, le truc vendeur, une femme battue. Non, une femme battante, donc, et elle nous a dit, je suis désolé, je vous ai pas amené mon alcool de la région. C'est de la Martinique, c'est ça? De la Martinique, oui. Elle a dit parce que je ne suis pas rentré chez moi. Alors, où as-tu dormi? Avec qui as-tu dormi hier? Et où? Avec il gueugue. Avec Thierry Amiel. Pour être sûr que je sois à l'heure à l'émission, mais ils m'ont fait dormir à Paris. Toute seule, bien sûr. Avec moi-même. Ouais. C'est que j'ai pas de doudou. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Omar? Tu sais que je la prends parce que c'est vrai que si... Elle part de la Martinique ce matin pour arriver. Non, bah, c'est vrai. On sait non, tous mais que j'habite Villeneuve-Saint-Jean. T'as peut-être pas de doudou, mais le showbiz aide à trouver des doudous facilement. Moi, ça m'a pas aidé. Et des doudous d'un soir, surtout. Ah non, les doudous d'un soir. Des doudous de passage. C'est pas doudou d'un soir. Mais de toute façon, j'ai pas de doudou ni d'un soir, ni de... Ni de deux soirs, ni de... Ni d'une heure. Ni d'une heure. Ni de petit ponche. Ni de doudou, ni de... Ni de petit ponche. J'accroche pas à lui. Et là, t'es pressé, il faut qu'on t'en trouve un, c'est ça? Ah ouais, là, je suis limite. Alors, très bien. Allez, alors là, elle a deux doigts de craquer. On sent que tout va bien dans la vie de Miss Dominique, l'album cartonne, tout va bien, mais on sent qu'au niveau de la libido, il est temps de faire quelque chose, sinon il y a un problème. Peut-être que tu peux faire un petit cassoulet. Tu viens de dire des nouvelles. Hein. Alors, tu le cherches comment, ton homme? Physiquement, tu les aimes comment? Physiquement? Oui, franchement, bah oui, on a toujours... Vas-y, fais-nous une fiche. À la fin, ça s'en fiche, là. À la fin, ça s'en fiche. Franchement. Donne, fais voir. Elle a dit fais voir. Grand, je les aime mieux que moi. Mais grand? Ben grand. Merci pour laisser rappeler là. Musclé. Important, Thierry a raison. On s'en fout les cheveux, très bien. Ça va, c'est bon avec ta technique. Toi, t'as la technique de les mettre en avant. Mais sinon, c'est vrai que moi, je cherche tout le temps des hommes qui n'ont ni femme, ni enfant, ni crédit. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Pas d'animaux domestiques aussi, pas d'animaux domestiques. Sans femme, sans enfant, sans crédit. Attends, Bruno n'a rien dit. Là, j'ai entendu ce qu'elle a dit sur l'amour. Moi, je donne que de l'amour permanent. Alors. Eh ben alors, jamais pour une heure. C'est... Mais alors, Bruno, mais t'as pas d'enfant. Alors, on peut y aller, là. Ah, je suis fermé. T'es machin. Je sais pas ce que t'en sais qu'il est célibataire. T'es célibataire ou pas?
Jamais. Je suis riche. Oh. Il est marié avec Nicolas Sarkozy. Alors bon, faudra que tu ailles en réunion avec Nicolas Sarkozy. Bon, oui, c'est obligatoire. Maintenant, Bruno ne se déplace jamais sans Nicolas. C'est son meilleur copain. Ils vivent ensemble. Voilà, c'est ça. Non. Alors, Bruno, éventuellement? Non, mais Bruno. Si, mais Bruno, faut pas le forcer, enfin. Bruno, ah, mais tu ne le forces pas. Non, mais Bruno, il est facile, il est open. Ah, c'est Bruno, lui. Open. Mais Bruno, c'est porte ouverte tout le temps, Bruno. Il prend son temps. Il est permanent. C'est ça, avec Bruno, c'est ça, il prend son temps. T'es tranquille. Et... En tout cas, vous chantez très bien. C'est vrai. Madame. La machine est lancée. Est-ce que t'as vu maintenant ce tic politique qui prend un peu là? Bravo, hein, vous dansez très très bien. Magnifique petit album. Vraiment, fabuleux, hein, je dois dire. Une femme battante, il en faut pour la France, madame. Ça, c'est vrai qu'il bouge comme ça, que France. C'est son et lumière, en fait. Avec des femmes battantes. Impressionnant. Il a quelques petits tics, hein, Nicolas, j'ai vu la dernière fois. Hein. Il y a des petits trucs de... Où il a une veste qu'il gratte, mais la dernière fois, je l'ai vu. Tu sais que ça se trouve, il a un Walkman où il écoute du hip-hop. Oui, peut-être qu'il écoute tes albums. Non, c'est l'énergie. Passement de jambes, et le bitch train. Passement de jambes. T'inquiète, gros. Viens voir le docteur, t'inquiète, n'aie pas peur. Alors, Miss Dominique, le principe est tout à l'heure, nous parlerons aussi télévision avec Thierry Beccaro, qui, je le répète, joue dans Jeu de rôle. Au théâtre d'Edgar. Voilà, et vous avez Oumaro au théâtre d'Edgar. C'est à ne pas rater, c'est à Paris dans le 14e. Et le numéro de téléphone pour y aller, c'est le 01 42 79 97 99. C'est parfait, avec Olivia Bruno, remarquable, et Pierre-Olivier Scotto, l'auteur de la pièce. Voilà. 01 42 79 97. Et alors, donc, à ce moment-là. Dans la pièce, mettez-nous. Ah oui. Débarquer chez lui. Ils sont bons. Alors, Miss Dominique, voici le quiz. Il va falloir aller très vite. Tu es prête? Le principe est simple, mais toute la table peut jouer. Toute la table peut jouer. Ah, génial. Avant la grande merguez partie qui aura lieu dans quelques secondes, le principe, Miss Dominique, je vais te donner des noms. Tu devras me dire s'ils viennent des émissions avec le mot star. Type pop star, type Star Academy, à la recherche d'un nouvel star. Il faut qu'il y ait star dans la réponse. D'accord? Attention! Stargate. Bon, c'est bon, me fais pas toutes mes vannes. J'ai tout grillé. Steven Statoff. Nouvelle star. Bien joué. Mario Maravecchia. Star Academy. Oui. Estelle Desanges. Estelle Desanges. Star du X. Star du X, absolument. Pas mal. Amel Bent. Nouvelle star. Très bien. Tu quand tu veux, tu veux. Lionel Timchen. Startopom. Star Academy. Oh, Popstar. Popstar, c'est les link-up. Bien, Startopom. Très bien. C'est bien Startopom. Huggy. Ah oui, Startopom. Starkey Hutch, Huggy. Très bien, Starkey Hutch. Thierry Amiel. Star. Très bien, Icaro. On peut dire Star Nouvelle. Starak. Oh. Coralie. Il a fait deux jours. Starak. Non, Popstar. Popstar, c'est les L5. Ah oui. Ah oui, c'est les L5. Anne-Laure Chibon. Les L5. Ah, Starak. Sont mortes. Ah ouais. Ça marche. Ah, c'est ça. Ah, recours. Anne-Laure Chibon. Starak. Très bien. Michel Drucker. Star 90. Star 90. Très bien. La bête du jeu Beauvent. La bête du jeu Beauvent. Jouer Star. Alors. C'est bizarre, la bête de l'idée celle-là. Comment tu as dit la bête de quoi? La bête du jet Beauvent. La bête du jet Beauvent. La bête du jet Beauvent. Enrique. Ben là, c'est récent, la Star Academy. Popstar. Mais c'est une bonne réponse. Mais absolument. Khalifa. Star Academy 1. Très bien. Pierrick Liliu. Nouvelle star. Très bien. Obi-Wan Kenobi. Star Wars. Jonathan Serrada. Non, c'est pas l'arrière. Il va fermer sa gueule, putain. Mais coupez-lui les mébis. Allô, c'est Nicolas. Faites-le fermer sa gueule parce qu'il y a un moment, ça commence à bien faire. On est de retour dans un instant avec Cut Killer pour la fin de l'émission, le live des musclés. Le grand jeu de Motus. Pourquoi tu nous fredonnerais pas un peu de ta chanson? Oui. Miss Dominique. Allez. Ça, mais c'est déjà enregistré, c'est bon. Oui, mais enfin, le but du jeu, quand on a le chanteur, c'est qu'il puisse le fredonner. En live. Ah ouais, c'est bien. Je n'ai plus rien à faire. Attention, je peux l'arrêter à tout moment. Hein. Puisque tu revois. Ah mince, bon, d'accord, commence. Allez, je la fais. Attention. Puisque tu revois dans... Je connais pas mieux ma chanson. Ah. Ah. C'était au milieu, je croyais que c'était à la fin. Comprends mon montage. Puisque tu me vois dans.
j'allais plus loin. Non, toi qui me connais. Ah non, j'attends. Dis-moi où tu es. Je voudrais tellement être à tes côtés, tes côtés. J'espère quand je lève la tête dans mes jours de peine que ma vie ici sur terre, toi tu peux.